Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Redel, j'espère que vous allez bien, donc passez une agréable journée, une soirée ou une agréable matinée. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Cette vidéo-là, ça va être tout simplement sur Battlefield 4 en 2021. Avec la hype de Battlefield 2042, bah, j'ai tout simplement voulu retenter l'expérience. Et franchement, ça n'a pas été désagréable à regarder. Même 10 ans après, et bah, le jeu est vraiment toujours aussi beau, en fait. Mais avant d'attaquer la vidéo, déjà, je voudrais remercier, bah, du coup, les nouveaux abonnés. C'est incroyable. On est bientôt 900. Attendez, là, on est actuellement 867. Et bah, tout simplement, go les 1000 abonnés. Pour ceux qui sont nouveaux, bah, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et pour ceux qui sont abonnés, et bah, merci vraiment, parce que c'est grâce à vous. Bah, actuellement, je suis encore en train de faire des vidéos. C'est tout simplement grâce à vous. Merci beaucoup. Il y a aussi le Discord, les gars, si vous voulez chercher des mates ou jouer avec moi, etc. Si vous voulez me dire quelque chose ou aussi que vous avez une idée pour une vidéo, ça m'intéresserait grave. Donc, je mets aussi le Discord en description et on passe au sujet de la vidéo. Et donc, comme je le disais à l'intro, les news de Battlefield 2042, c'est vraiment la chose qui m'a donné le plus envie de revenir sur Battlefield 4. Et franchement, je suis vraiment pas déçu. Le jeu est sorti il y a presque 10 ans et il est vraiment toujours aussi beau. Franchement, j'ai été choqué parce que même après 10 ans, bah, le jeu est toujours aussi beau en fait. Il est toujours d'actualité. Et même après quelques heures de jeu, bah, j'ai vraiment pas eu les yeux qui piquaient, donc ça va. Donc pour revenir à la news de Battlefield 42, franchement, je suis hype. Je vais pas vous mentir, les gars. Je vais précommander ce jeu au plus vite et je vais vraiment, les gars, vous charbonner des vidéos. Vous allez vraiment kiffer. Mais ouais, du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait trois gros modes de jeu, dont un qui s'appelle Portal, et franchement, je suis vraiment hype. Et pour ceux qui ont vraiment pas regardé les nouvelles vidéos qui sont sorties, les news, etc., et ben en fait, le mode Portal, ça va tout simplement être un sandbox. Et franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et aussi, j'ai vu qu'on aura les armes de Battlefield 1, de Battlefield 5. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Bref, revenons au vrai, vrai sujet de la vidéo, Battlefield 4. Donc ouais, j'ai vraiment été choqué ce matin en me connectant quand j'ai vu bah, presque tous les serveurs full en fait. Donc ouais, j'ai pris un serveur et je suis parti. Et c'était vraiment un pur plaisir, les gars, genre vraiment. Et pour ceux qui ont bah, tout simplement le EA Play, bah, téléchargez-le en fait direct. Et n'hésitez pas aussi à me MP pour ceux qui veulent jouer avec moi. Je suis chaud. Le seul problème que j'ai remarqué, bah, c'est tout simplement les armes. J'ai vraiment eu accès à que quelques armes. Bon, normal, j'étais niveau 7. Mais voilà. Ah oui, d'ailleurs, les gars, je vous ai pas dit, mais ce jeu-là, Battlefield 4, j'ai vraiment. Mais je l'ai vraiment tryhard sur PlayStation 4. Mais genre vraiment, je crois que j'ai eu une période de 7 mois où j'y jouais genre quotidiennement tout le temps. J'ai vraiment aimé ce Battlefield. Et en y repensant, bah. En vrai, c'est une masterclass en fait ce jeu. Toutes les armes qu'il y a, toutes les maps qu'il y a et l'ambiance qu'il y avait sur PlayStation 4. Je sais pas s'il y a des joueurs de PlayStation 4 qui me suivent. Et bah franchement, quand tu t'as invité ton pote sur la partie, vous rejoignez, que ça screen des squads, et bah je sais pas, il y avait vraiment un délire et je kiffais de fou. Je me rappelle aussi, il y avait beaucoup de darons qui y jouaient. Et je sais pas, frère, j'avais 11 ans, je jouais avec des darons, avec des vieux et tout, c'était vraiment. Une époque incroyable. Franchement, ceux qui ont joué seulement sur PC, vous ratez quelque chose quand même. Vous ratez une bonne époque. Certains aussi me diront de tester Battlefield 3. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le tester il y a quelques jours. Et j'ai beaucoup aimé. Je me rappelle que j'avais joué sur PlayStation 3, mais j'ai pas du tout accroché, je crois. J'étais vraiment trop jeune. Et c'était pas mon. J'étais pas la communauté visée, quoi. Et ouais, normal. Mais ouais, je pense qu'il y aura sûrement une vidéo Battlefield 3 avant la sortie de Battlefield 2042. Et des vidéos sûrement sur d'autres BF avant la sortie de Battlefield. En tout cas, j'espère que vous avez sincèrement aimé la vidéo. Je vais vous laisser avec un petit peu de gameplay et on se retrouve peut-être dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Raiden. N'hésitez pas à liker ou à disliker aussi si vous avez vraiment pas aimé. Et on se retrouve. Bah, pour ceux qui suivent mes lives dans pas très longtemps, c'était Raiden. Allez, go. J'ai repéré un sniper ennemi juste au nord de votre position actuelle. Non, attends-moi, frérot. Ok, vas-y, on peut y aller. Ok, go. Y'a un disco ennemi à l'est de votre. T'es mort? Non, mais gars. Ok, il y en a un là. Ok, mort.
Hein. Mort. Qui est mort aussi. Ah, là. Ah. Non.